besoin de quelque chose ? Je voudrais que tu aides ce droïde à rejoindre Leia. Non. Il y a beaucoup trop longtemps que tu as déserté la lutte. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide. Allez, BB-8. Ray, ça va ? C'est rien, je vais aller faire un tour. Alors, Maz, qu'est-ce que tu veux ? Et si tu commençais par me rendre le vaisseau que je t'ai prêté ? Eh, t'avais dit que c'était un cadeau. Je l'avais reçu en cadeau, de la part des... Le groupe est parti faire une tournée anniversaire, Kerpando Fondu ! Cet endroit... Parle-moi un peu de cette fille. Ah, tout ce que je peux te dire, c'est... Dites, elle est juste là. Oh, Maz, cette grande statue dehors, c'est nouveau ? Le groupe est parti faire une tournée anniversaire, Kerpando Fondu ! Cet endroit... Hey, si ce truc était alimenté, on pourrait enfin envoyer un son qui balance ici. Vous avez vraiment un joli château. Vous vivez ici ? Oh non, c'est mon château de vacances. Je vis dans un château bien plus grand de l'autre côté du lac. Wow, vraiment ? Non. Trouvez où ce vieux machin décrépit. Eh ben voilà, tout de suite c'est mieux.
Alcazar appartenait à Luc, et avant lui à son père, et maintenant il t'a choisi. Je n'ai rien à voir avec ça. C'était la République. C'est le premier ordre qui a fait ça. Mais où est Ray? Comment est-ce que tu l'as eu? Prends-le et retrouve ton ami. Ces poètes, ils sont là. Ray! Ray! Où est-elle? Allez, on avance! Eh ben voilà, tout de suite, c'est mieux! C'est un ami à toi ? Pas vraiment. En tout cas, il te lâchera pas tant que tu lui auras pas répondu.
Repliez-vous. Oubliez le droïde. Nous avons ce qu'il nous faut. Il l'a emmené. Vous avez vu? Il l'a capturé et il l'a emmené. Oui, oui, je sais. T'as changé de coiffure? Toujours la même veste. Non, c'est une nouvelle. Il était là. Je l'ai vu, Leia. Notre fils. Nous rentrons à la base de Dekar. On discutera là-bas. Thank you.
Il faut les sortir de là. Bébé, vite! Oh, Podamron, t'es vivant? Finn! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand j'ai repris connaissance, t'étais plus là. Il y avait plus de vaisseau, plus rien. BB-8 dit que c'est toi qui l'as sauvé? On ferait mieux d'aller voir la générale. Elle voudra te parler. Viens, BB-8. Han Solo, c'est moi, c'est trois pétons. Et vous ne devez certainement pas m'avoir reconnu à cause de mon bras rouge. C'est justement une histoire très intéressante. Qui traite-t-il de complaisant? Général, je suis au regret de vous informer que la carte récupérée sur BB-8 est incomplète. Comment ai-je pu croire que j'allais retrouver Luke et le convaincre de revenir parmi nous? Les données recueillies pendant le vol de reconnaissance confirment ce qu'a dit Finn. L'étoile de la mort, c'était ça. Et ça, c'est la base Starkiller. L'arme qui a détruit le système osnien. Mais attendez. C'est en 4K. Le premier ordre vient d'ordonner le rechargement. Notre système est la prochaine cible. D'accord, mais comment on l'a fait exploser? Cette base est équipée d'une sorte d'oscillateur thermique. Ils ont des boucliers que nos appareils ne peuvent pas traverser. Je peux désactiver les boucliers. Mais il faut que je sois sur place, sur la planète. On va t'y conduire. Fichez-moi. Aucune chance. Oubliez. J'ai tout essayé, mais impossible d'ouvrir cette porte. Astrotech Support a dit qu'il ne pouvait pas nous aider pour le moment. Mais je pense qu'il faut juste remplacer le fusible.
chose de nouveau. Ça tombe bien, j'ai été mis à jour. Sympa cette fois. Je vais partager de nouvelles informations avec vous. La conduite d'eau pluviale est juste derrière. C'est par là qu'on va entrer. Allons retrouver Ray. Où est-ce que je suis? Tu es mon invité. Je sais que tu as vu la carte. Et maintenant, tu vas me la donner. Je ne vous donnerai rien. Donne-moi la carte! Jamais. Reste ici. La pilleuse d'épave t'a résisté? La force est puissante en elle! Il faut donc frapper la résistance avant qu'il joigne Skywalker. Faites préparer l'arme. Suprême leader, je peux lui extorquer la carte. Amène-la-moi. Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de cette cellule sans verrouiller la porte. Je vais vous libérer de ces entraves et sortir de cette cellule sans verrouiller la porte. Moins on restera, plus on aura de chance de revenir. Les boucliers. Ça ira, j'ai ma petite idée. Ne résistera pas à l'envie de venir personnellement s'occuper de nous. Et c'est là qu'on la forcera à désactiver les boucliers. Simple comme bonjour, hein? Bonne de pont à rien.
fait quoi comme boulot quand t'étais ici? Collecte des ordures. Collecte des ordures? Thank you.
cette cellule d'énergie pour avoir une chance de capturer Phasma. Doucement, doucement. Faut qu'on désactive ce bouclier. Devrions utiliser cette cellule d'énergie. Allons la chercher. Apprendra à porter sa précieuse armure en chrome. Emmenons-la dans la salle des commandes. De là, on pourra désactiver le bouclier. Alors, elle vous sert à quoi, cette armure en métal, maintenant? N'en fais pas trop, petit. Ne criez pas victoire trop vite. Votre misérable résistance ne détruira jamais cette base, que vous me capturiez. Je vous anéantirai tous.
j'explose votre casque, désactivez les boucliers. Vous commettez une grave erreur. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Il y a un conduit à ordures et un compacteur. Excellente idée. Finn, qu'est-ce que tu fais là? Plus tard les embrassades, faut qu'on sorte de là. Bouclier désactivé. On est presque à portée. On vise le cœur de l'oscillateur et on remet ça autant de fois que nécessaire. Ah, en plein dedans. Et ça n'a pas fait de dégâts. Plein d'explosifs dans son sac. On n'a qu'à s'en servir. Si vous voulez entrer, je vais devoir trouver le boîtier de raccordement. Cette fille sait ce qu'elle fait. D'accord, je vais mettre les mains dans le cambouis, j'arrive. On y va. Il faut qu'on se tienne prêt devant la porte quand Rel ouvrira. Bien joué. Tu veux tout faire exploser ou quoi? Eh, quand je les ai fait tomber, on n'était pas infiltrés dans une base du premier ordre. Et le faucon n'a rien eu en plus. Bien, on a une mission à accomplir. La passerelle est bloquée. On peut pas juste déposer les charges ici? T'es vraiment un perfectionniste. Ok, alors trouvons un moyen de passer. Y a quelqu'un...
ici. Solo. Mon fils. Tu vas m'aider? Oui. Merci. Sur la cible et détruisez ce que vous pouvez. On ne peut pas encore entrer dans l'oscillateur. Il faut subir leur défense. Escadron Red et Escadron Blue, à vous de jouer. Bien reçu, capitaine. N'oubliez pas que quand le
est à moi. Viens le prendre. Affronte-moi. Laisse-moi mettre un terme à ta misérable existence. Deuxième fois que je tiens un sabre laser et je me bats déjà contre Kylo Ren. Tu parles d'un apprentissage? Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Ni Han, ni toi. Je sais pas encore bien manier ce truc, alors sois sympa. Tu ne mérites pas de porter ce sabre laser. Donne-le-moi. Il veut que nous le suivions. C'est certainement un piège, mais on n'a pas le choix. Il est parti par là. Pilleuse d'épave et un traître. Bande de fous. Cette planète est en train de s'effondrer. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Tu es monstrueux. Nous allons régler ça entre nous. Han Solo ne te sauvera pas. Je ne peux pas gagner. C'est impossible. Tu peux parier? Vite!
ça va, mais nous devons l'arrêter. Il faut trouver un moyen de passer. Allez, il est temps d'en finir. Imagine ce dont tu serais capable avec un peu d'entraînement. Il te faut un guide. Je peux t'enseigner la voie de la force. Eh bien, je me demande ce qui lui prend. Bébé 8 dit qu'il a quelque chose à nous montrer. Bébé 8, je doute sincèrement que R2 détienne le reste de la carte en mémoire. Ça alors.